On s'en va. On va prendre des métabas. Et il faut que on emmène tous les départs. Et on revient. Oui, elle, oui, c'est toi qui te fais avoir dans ah bah oui, mais alors Marie-Noël, prends ta voiture. Non, il y a quelqu'un qui a regardé. Il y a que c'est la seule possibilité. Donc on revient. Après, on reprend quatre voitures. Donc celle d'Alain, celle de François, l'espace de Marcel et la mienne. Donc les chauffeurs sont Yvon, moi, Alain, Geneviève. Et on emmène tout le monde au départ à Bessy. Oui, il y a même Moret. Il y a même la femme. Oui, parce que Geneviève, elle ne peut pas courir la voiture après Bessy. Comment? Geneviève. Non, elle pose à Bessy les gens et elle vient avec nous. Non, elle part avec elle. Ah ben non, elle marche. Il a tout prévu. Mais elle va conduire ta voiture, votre voiture, à Bessy. On pose. Les quatre voitures à il y en a déjà eu d'autres là-bas. Mais tu reviens. Il n'y a pas besoin de faire une voiture avec à Bethlehem. Quatre. Mais il faut revenir avec une. Alain nous ramène ici. Attends, il y a le chou. Mais Alain, lequel alors ici. Lequel alors? Le chou, la chèvre. Pas moi, loup, pas moi. Hein, alors, le fermier prend la barque. Voilà. Traverse avec la chèvre et le chou. Alain nous ramène ici. Ah oui, vous ne remballez pas du tout les vélos. Alors. Mais il a oublié les balles. Il est parti avec les balles. Mais la passerelle, les passerelles, on les passe comment? Et donc vous repartez. Tu n'es plus ton pont, comme ça. Bon, moi j'ai chauffé de l'eau là, hein. Qui c'est qui veut une boisson chaude? Ah ouais, volontiers. Ouais, donc voilà, donc, demain après-midi, quand tout le monde sera arrivé à Vézelay, on ramène tout le monde avec les deux espaces, la Mégane et la Peugeot de... Voilà, et tout le monde, ça fait... Et du coup, vous ne trimballez pas du tout les vélos? Alors du coup, quand on va revenir ici après avoir déposé Geneviève à son départ à Bessy, on vient ici, tout ça le plus vite possible, pour que nous, à l'arrivée, on prenne nos vélos et on se barre, on vous retrouve sur le parcours. Voilà. D'accord. Donc vous aurez fait un bout de nuit, là, et nous on vous rejoint. Et là, on est tranquille, on peut aller avec vous, on navigue et tout ça. Ouais, mais globalement, vous aurez fait beaucoup moins de vélos qu'avec mon système. Parce que dans mon système, il y en avait deux qui faisaient beaucoup de vélos. Et puis on pourra changer, ils pourront courir, on pourra prendre les vélos. Il y a beaucoup de vélos. Oui. Mais les autres, non. Bon, donc là, on se retrouve tous les trois avec Alain et Yvon. C'est une équipe qui les a formés, qui travaille tous les dimanches. Et voilà. Ok, bon, bah écoutez, hein, c'est bien, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en pense que la prochaine fois, je ne fais aucun plan. Si. Mais parce que... ce qu'il fallait, c'était avoir assez de voitures quand même ici. Quand on m'a fait la lecture de ça, moi, il y a deux personnes que je n'avais pas comptées. Oui. Dans ta liste. Oui, parce que là, j'ai réactualisé. Il y a eu des changements. Ah oui, alors, comme il manquait deux personnes, moi, j'avais fait mon turbin avec ton papier, ça allait très bien. Mmh. On se débrouille, on s'adapte et tout ça. Et puis, Yvon m'a dit, ça va pas, il manque deux personnes. Donc, il n'y a pas assez de voitures. D'accord. Et flûte. Donc il n'y aura pas de voiture à aller chercher à l'arrivée. On n'aura pas besoin de retourner au cerf. Non, on n'aura pas besoin de retourner au cerf. Il n'y a qu'un truc, c'est que Geneviève doit se lever à 4h30 du matin. On a cherché, pif paf pouf dans la liste. Alors, Marianne, je vais te dire un truc. Nous, on se bat en se laissant tout dégueu ici pour ne pas faire de bruit. D'accord. Alors, la dame de l'entrée, Céline, qui fait la cuisine. Ça y est, tu la connais. Céline, elle va bien recommander de ne pas faire de bruit en traversant. Enfin, bref, on connaît le truc. Ouais,